Bonjour. Alors, on est toujours avec la correction des sujets de BM euh, de français de 2007 jusqu'à 2023. Alors, le deuxième sujet, on va voir le sujet de 2008. On vous a proposé le thème du sport. Alors, le sport, on va essayer de lire le texte. Moi, je vais le lire une seule fois. Mais quand vous, euh, vous allez corriger votre sujet, vous devez le lire au moins trois fois. Alors, le sport. Les adolescents dans leur ensemble pratiquent le sport avec plaisir. Il leur offre un passe-temps qui peut se prolonger. Il permet une évasion facile à cause de l'effort de l'attention qu'il réclame, ce qui les oblige à oublier leurs soucis. Ils réalisent leur rêve de devenir... Fort et développer leur corps et par conséquent leur permet de se faire admirer par les autres et d'être fiers. Enfin, c'est une activité dans laquelle ils peuvent exprimer leur force physique et leur jeunesse. N'est-il pas en définitive le seul domaine où l'adolescent se montre supérieur à l'adulte? Plus le sport offre du succès aux jeunes et les met en valeur, plus il est, euh, il est apprécié d'eux. C'est aussi une activité dans laquelle la violence et l'agressivité peuvent se libérer sous forme de euh, jeu. Alors, euh, c'est Guy Avanzani, l'auteur de ce texte. On va voir maintenant les questions. Compréhension de l'écrit. Pour la compréhension de l'écrit, on a toujours le barème qui est à côté, 13 points. Ce texte est-il à dominante Regardez la question qui se répète. Le texte est à dominante. Il veut savoir la dominante du texte. C'est un texte argumentatif à viser quoi Alors, c'est un texte narratif, descriptif ou bien argumentatif C'est un texte argumentatif. Dans la phrase suivante, le sport oblige les jeunes à oublier leurs soucis. Alors, soucis, ça veut dire quoi Soucis veut dire parents, problèmes ou loisirs ou jeunesse. Alors, euh, déjà ici, soucis c'est un mot pluriel. Alors les mots pluriels ce sont parents, problèmes, loisirs, jeunesse. Il n'y a pas de s de pluriel. Alors jeunesse non. Loisirs, ce sont les hobbies. Ça veut dire ce que tu aimes faire. Est-ce que souci c'est c'est le mot le sport oblige les jeunes à oublier les soucis, à oublier ce qu'ils aiment faire. Non, c'est pas juste. Parents, ce sont les, le papa et le, la maman. Est-ce que le sport oblige les jeunes à oublier leurs parents Non, c'est pas juste. Alors souci, ça veut dire problème. L'agressivité signifie L'agressivité, ça veut dire quoi Ici, dans le texte, c'est l'agressivité, la violence et l'agressivité. C'est quoi l'agressivité C'est la réussite Non. C'est la joie Non. C'est la violence. Oui. Recopie la bonne réponse. Alors, tu, tu dois donner la réponse complète. Tu vas dire, je choisis la bonne réponse, je recopie la bonne réponse. Et toujours, il faut donner une réponse complète, s'il vous plaît. 4. Recopie le tableau, puis classe les expressions suivantes dans le dans la colonne qui convient. Alors tu vas dire, je recopie le tableau, puis je classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient. Vous avez les mots ⁇ oublier leurs soucis ⁇,⁇ développer leur corps ⁇,⁇ être fier ⁇,⁇ se faire admirer ⁇ On a ⁇ avantage du sport ⁇ ça veut dire euh, ce qui est bien dans le sport. Alors c'est l'aspect physique et l'aspect moral. La physique, c'est ce qu'on peut voir, moral, c'est... Euh, c'est psychique C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir Alors physique Oubliez les soucis Est-ce que c'est physique Non, c'est moral euh, Développer leur corps Alors ils vont développer leur corps C'est physique Être fier, c'est moral Se faire admirer Ça veut dire on va les admirer comment Moral et physique On va les, les aimer encore plus Là euh, on donne deux mots de la même famille que. Alors ici, la dernière fois en 2007, on vous a demandé de donner euh, le, le champ lexical. Là, c'est les mots de la même famille. En vocabulaire, on vous a demandé de donner les mots de la même famille. Quand je dis les mots de la même famille, ça veut dire ils ont le même radical. Quand je dis sport, sport, ça veut dire quoi Sportif. On peut donner sportif. On peut donner aussi quoi euh, Si vous ne trouvez pas de réponse, vous donnez le masculin et le féminin, sportif, avec VE. Il te dit, emploie l'un d'eux dans une phrase personnelle. Ça veut dire, tu vas choisir un mot que tu as donné et puis tu vas l'employer dans une phrase personnelle. Tu vas dire, euh, Ziden est un grand sportif. D'accord 6. Euh, Bien qu'il soit âgé, il continue à courir. Et puis la deuxième phrase, là, c'était un, un piège. Il dit bien qu'ils soient âgés, il, âgé, il continuent à courir. Et la deuxième phrase, ils réalisent leur rêve de développer leur corps si bien qu'il leur permet de se faire admirer par les autres. Alors là, il y a une petite nuance, il y a bien que et si bien que alors la première question quel est le rapport exprimé dans cette phrase dans chacune des phrases si je dis bien qu'il soit âgé il est âgé mais qu'est-ce qu'il fait encore il continue à courir alors ça c'est l'opposition et la deuxième fois si je vois si bien que alors c'est la conséquence la deuxième la deuxième c'est la conséquence alors le rapport exprimé dans la première phrase c'est l'opposition le rapport exprimé dans la deuxième phrase c'est euh, la conséquence je vais remplacer bien que par malgré alors je vais dire Malgré son âge, il continue à courir. Ou bien, malgré qu'il soit âgé, il continue à courir. 7. Les adolescents pratiquent le sport avec plaisir. Écris cette phrase en remplaçant les adolescents par l'adolescent. Qu'est-ce que tu vas dire L'adolescent, c'est masculin singulier. Pratique avec eux le sport avec plaisir. Et B. Mon camarade et moi. Quand je dis mon camarade et moi, ça veut dire nous. Alors, nous pratiquons, ONS, le sport avec plaisir. Ton camarade et toi, ça veut dire vous. Alors je vais dire vous pratiquez le sport avec plaisir. Huit, je complète. Euh, le basketball est une activité sportive non agressive. Alors on va dire la gymnastique et la natation. Il y a deux ici. Alors c'est le pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire On va dire et Non, on va dire sans. Parce que le basketball, il est. La gymnastique et la natation, c'est... L avec S, alors sans L, sans une le pluriel de une c'est des des activités. J'ajoute le S sportive, j'ajoute le S non agressive. J'ajoute le S pour la production écrite. Quel sport aimerais-tu pratiquer? Tu vas choisir un sport, par exemple euh, le football. Rédige un court paragraphe dans lequel tu présenteras tes arguments pour justifier ton choix. Ça veut dire que tu vas justifier pourquoi tu aimes le football. Pour les réponses données par le ministère de l'Éducation pour les enseignants pour qu'ils corrigent le sujet, voilà un exemplaire. D'accord Voici les réponses écrites depuis le début jusqu'à la fin. Pour la production écrite, on nous donne ce tableau. Ce sont les critères d'adéquation à la production, ça veut dire compréhension du sujet. Si l'élève a compris le sujet, la capacité à argumenter, à donner des arguments, euh, euh, la capacité à expliquer. Et puis la cohérence, la pertinence, les, la pertinence des idées, leur enchaînement, mise en relation des différents passages, explicatifs, argumentatifs. Et puis il faut donner euh, il faut aussi avoir une correction de la langue, utilisation correcte des connecteurs logiques, d'abord, ensuite, enfin, utilisation correcte des temps et des modes verbaux et respect des règles d'accord, ne pas faire de faute d'orthographe, l'apperfectionnement, euh, la mise en page, ça veut dire il faut toujours respecter euh, l'image du texte, ça veut dire il faut voir il faut avoir l'alinéa, euh, l'introduction la, et puis euh, l'explication, et puis la fin.